C'est l'histoire du mari. Il arrive chez lui, tu comprends, puis il surprend sa femme avec le laitier dans la chambre. Oh. Ah, ben oui, mais écoute, c'est des choses qui peuvent arriver. Elle était partie dans la chambre, je suppose, chercher de l'argent pour payer le laitier, puis le laitier l'a suivi. Non, le laitier était couché dans le lit. Ben, le gars, il a dit qu'ils ont des grosses runs, des fois, il peut être fatigué, le gars. La femme était couchée aussi. Ben oui, mais il y a des ménagères qui travaillent fort, là, ça se pourrait que. Mais non, le laitier était couché avec la femme, ben. Oui, ah, ben oui. Ah, ben le mari était pas de bonne humeur. Ah, ben, il a gueule sa femme, mais là, il décide de se suicider. Il va chercher un revolver, il s'accroche un revolver sur la tempe. À ce moment-là, t'as le laitier qui part à rire. Oui. Sais-tu que c'est que le mari a dit? Non. Il dit, riez pas. Je me suicide, ben après ça, je vous tue. Mais attends, Annette, il y a quelque chose que je comprends pas, là. Ben, hey, c'est Moineau, ça. Moineau, comment ça va, Moineau? Qui, ce Moineau? Moineau, Simon Moineau, notre ami d'enfance. Hé, hey, Moineau! Ben oui, c'est Simon Moineau, ça. Ben, si c'est pas lui, c'est un gars qui ressemble. Ben oui, ça. C'est Simon Moineau. T'es reconnu tout de suite, Moineau. Ben moi aussi, on voit là, ça va bien, t'es reconnu. Tu te souviens de mon frère Ephraim? Bien sûr, bonjour Ephraim. Bonjour Simon. T'as pas changé. Ah ben, toi t'as changé. La dernière fois qu'on l'a vu, il avait l'air d'un gars de 20 ans. Oui. Ça fait 15 ans de ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, ouais, ça se fait au moins une quinzaine d'années. Mm-hmm. Pense à toi souvent, Frem. Ouais. Chaque fois qu'un gars manque son coup, on me raconte une histoire. Oh, ben, attends une minute, je me suis amélioré, hein, c'est pas rien. Moi. Ouais. Ben, la preuve, m'a t'en raconté une. C'est l'histoire d'un gars qui arrive chez lui, hein. Ça, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis il surprend le laitier dans sa chambre à coucher, et le laitier est couché avec sa femme. Fait que là, le gars, il est pas de bonne humeur, hein. Il engueule sa femme. T'as pas d'affaire. En tout cas, le gars, il est fâché. Il prend son revolver, puis il se tire une balle dans la tête. Puis là, après qu'il fût tiré... Non, laisse faire, je vais en finir. Moi-même, il est raconté du début. Non, laisse faire, c'est pas rien, je la connais, c'est toi. T'as pas changé, Frem. Ah, ben écoute, t'as pas changé, oui. Mais seulement, il y a 15 ans, t'as pas de moustache. Mais c'est qu'on a entendu parler de toi souvent. Il paraît que t'es devenu producteur de cinéma. Ouais. J'ai lu dans le journal que t'es sur le point de tourner un nouveau film. Ah, ouais, justement, là, je cherche deux acteurs secondaires dans mon film. Deux acteurs qui joueraient. Ben, il me semble que vous feriez l'affaire, ça, pour jouer ces rôles-là. Deux rôles de niaiseux. Deux rôles de niaiseux? Ouais. Dans mon cas, ça serait un rôle de composition. Mm-hmm. Ouais, puis moi, ben, je me vois pas bien dans un rôle de niaiseux. Ben, voyons, les petits rôles comme ça. N'importe quel idiot. Même nous autres. Même vous autres. Ouais. Seulement, il y a un point important, là. Ouais. Pense, là, d'un coup. Combien tu pèses, toi, à ça fait? 115. Toi, frère? Ben, moi, je pèse 140, tout nu, mais je garde tout mon scapulaire. Non, malheureusement, ça ne va pas marcher. Il me faut deux acteurs, là. Deux niaiseux de 125 livres, pas de livre de plus, pas de livre de moins. À moins, ça ne fait rien que tu t'organises pour engraisser pendant 15 livres, pendant 15 jours, c'est-à-dire de 10 livres. Ah, puis moi, je pourrais perdre une livre. 15 livres? Ouais, 15 jours. C'est ça, ouais. Ben, essayez de gagner 10 livres en 15 jours. Hein. Moi, je peux toujours perdre une livre par jour pendant 15 jours, mais il faut. Faut que je garde mon scapulaire. Oh mon Dieu, ça me voyait l'air tellement naturel dans mes deux rôles de niaiseux, je pense que je peux attendre 15 jours. Ça fait rien, tu peux peut-être m'aider, toi. À quoi, là? Faut trouver deux rôles d'actrice secondaire, deux femmes qui pèseraient à peu près. Oui, Mme Sylvain, il faut une femme qui pèse exactement 160 livres, puis une autre 125 livres. 160 livres. Oh, 125 livres. Savez-vous, 160 livres, c'est exactement mon poids, M. Moineau. Oh, la menteuse. Mais pourtant, Mme Sylvain, vous m'avez dit la semaine dernière que vous pesiez exactement 170. Marie-Ange, voulez-vous vous mêler ce qui vous regarde? Oh, excusez-moi, mesdames. Oh, vous partez pas, M. Moineau. Non, je reviens tout de suite. C'est vrai, Mme Sylvain, vous me l'avez dit, moi aussi, vous pesez 170 livres. Je vous ai bel et bien dit 160 livres, mademoiselle Espérance. Vous êtes jalouse, là, parce que vous faites pas le poids de 125 livres pour avoir l'autre rôle. Excusez-moi, mesdames, monsieur Moineau qui vous demande de passer dans l'or. Oh, mon Dieu! Comme ça, mon Simon, tu vas leur demander de se peser, c'est-à-dire sur ta balance. Oui, c'est vous ça que je viens de... Vous avez apporté votre propre balance? Oui, c'est ça. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas défectueuse, hein? Non, elle est juste, madame Sylvain. Je me suis pesée chez mon médecin hier, puis je pesais exactement 130 livres, comme sur la balance de M. Moineau. Je vous ai dit, Maria, je vous mêlez ce qui vous regarde. Comme ça, M. Moineau, je pèse rien que 5 livres de trop pour avoir le rôle de celle qui doit peser 125 livres. Ben oui, 5 livres de trop. Alors, cédez votre place à Mme Sylvain. C'est bien qu'elle va avoir peur de monter sur ce balance. Moi, peur? Bon, j'ai peur de quoi, moi? Ouais, non. Tiens. Exactement 170. Ça ne fait rien, veux-tu te mêler de tes affaires? Quoi?
Bon, ben, elle n'est pas bonne, ma balance. Moi, je vais tout juste m'en défaire. Non, Madame Sylvain, elle est juste votre balance. Je pèse 130 livres sur votre balance. Marie-Ange, je vous ai dit de vous mêler ce qui vous regarde. Bon, mais en tout cas, au lieu de vous défaire de votre balance, défaites-vous donc vos 10 livres de plus. T'es sûr que vous pourriez tenter de perdre dans 15 jours si vous voulez vraiment le rôle de la femme de ce Ben, c'est ce que je vais faire aussi. Tandis que moi, j'ai aucun effort à faire pour décrocher le rôle. Monsieur Manot, j'ai pas l'habitude de dévoiler mon poids, mais je vous le dis, je pèse 125. Je me suis pesée hier soir. Bon, ben, allez-y, Mademoiselle Espérance, là, montez sa balance. Ah, mon Dieu! J'ai l'habitude de me déshabiller, de, je veux dire, de me peser toute nue. Vous avez peur? Peur de me déshabiller de faire un petit rôle. Peur de monter sa balance. Enfin, si vous désirez le rôle. Bon, bon, puisqu'il le faut. Pardon. Eh ben, exactement, Zanguinze. Si je comprends pas ça, j'ai perdu 10 livres depuis hier soir. Mais, monsieur Manot, vous préférez pas une actrice jeune et attrayante de 115 livres plutôt qu'une grassette de 125? Non, vraiment. Il me faut une femme de 125 livres pour de multiples raisons. D'ailleurs, le scénario l'exige. Alors, si je comprends bien, là, pour jouer des rôles de niaiseux, Ephraim serait obligé de perdre 15 livres, puis moi, je suis obligé de gagner 10 livres en 15 jours. T'en plaît, ça. C'est ça. Puis pour avoir le rôle de l'actrice de 125 livres, Mademoiselle L'Espérance devra engraisser, elle, de 10 livres en 15 jours. Ou bien, Mademoiselle Marie-Ange pourra perdre seulement 5 livres en 15 jours. Ah ouais. Et Mme Sylvain pourra perdre 10 livres en 15 jours si elle veut jouer le rôle de la femme de 160 livres. Attends, d'autres, là, je pense à ça. J'aurais dû y penser avant. D'ailleurs, ma femme, Mme Madeleine a pris exactement ça, 160. Je la connais pas, ta femme. Viens à la maison, me t'a présenté. OK. Toi, Jean-Marc Simon, tiens, exactement. Pas 170 livres, Marie-Madeleine. 170 livres? Oh, c'est pas possible! Une drôle façon de l'apprendre, mais moi, je veux le savoir. Que donc, es-tu enceinte? Ah, ben non, je suis pas enceinte, c'est pour rien. Puis j'étais bien certaine de peser 160 livres. Faut dire que ça fait un petit bout de temps que je me suis pas pesée. Tu te rends compte, si tu veux le rôle de la femme qui pèse 160 livres, il va falloir que tu perdes 10 livres en 15 jours. Oh, ça va être bien difficile, Saint-Fournier. Arrête donc, difficile. Voyons, non, je connais une femme. Elle a perdu 90 livres dans une seule nuit. 90 livres? Hey, 90 livres, ça va rien. Pousse mes pouces égales. Hein? Dis, 90 livres de nuit, c'est la bibliothèque à passer au feu. Oh, c'est... Vas-y, Saint-Fournier, t'es meilleur que Fram pour raconter des histoires. Je vous défends bien, Berthe, de vous lancer dans le cinéma. Et de quel droit, Belmar? Vous allez vous perdre dans ce milieu-là. Vous allez peut-être me perdre, mais moi, je me perdrai pas. Puis c'est pas à vous de décider de ma carrière. Non, j'ai tout ce qu'il faut pour devenir une vedette de cinéma. La jeunesse, la beauté, le talent, toutes les portes s'ouvrent devant moi. C'est pas vous qui allez m'empêcher d'entrer. Comme vous ne variez jamais de poids, je me console en me disant que vous devrez engraisser de 10 livres en 15 jours pour obtenir ce rôle-là. Vous n'en faites pas, je vais les gagner, ces 10 livres-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai accepté d'aller souper avec vous. Puis n'oubliez pas, Belmar, qu'une fois rendue au restaurant, je suis pas à la diète. Ça va me coûter une fortune, ce Pierre Ballard. Une chose certaine, Saint-Forien, c'est que si je maigris, si j'obtiens le rôle, j'ai pas du tout l'intention de regagner ces 10 livres-là en devenant enceinte. Ça veut dire que pendant un certain temps... Oui, je te vois venir, là. Mon corps est obligé d'aller coucher sur le sofa dans le salon. C'est justement ça que je voulais te dire. Ah. Il faut faire des sacrifices si on veut devenir une vedette de cinéma. Mmh. Bonne idée j'ai eue, moi. Je me suis mis bien dans les plats, puis c'est vrai. Il n'est pas question que Marie-Madeleine perde des livres. Non. J'en viendrai jamais à bout, hein? Je comprends. Après avoir bu deux verres de bière, vous avez mangé deux assiettes de soupe au pois, un pâté chinois. Macaroni gratiné. Un macaroni gratiné, quatre tranches de pain. Et après avoir mangé une tarte aux pommes entière, vous vous attaquez maintenant à un morceau de gâteau au chocolat. Oui, ben après avoir mangé ce gâteau-là, je pense que je vais prendre un tonne d'huile d'aramel. Mais Berthe, vous n'y allez pas de main morte. Vous n'avez pas l'intention d'engraisser de 5 livres ce soir. Ce qui est pris, est pris. Et ça, vous, ça? Vous avez mangé qu'un bouillon, vous n'avez pas faim? Non, j'ai une faim de loup. Alors pourquoi vous privez de manger? Je ne voulais pas vous le dire, mais je vous le dis. Parce que j'ai décidé de maigrir pour obtenir le rôle du comédien de 125 livres. Oh, ben tiens, vous aussi, hein? Oui, pour vous tenir compagnie sur le plateau de tournage. Avouez donc, c'est pour mes pieds. En tout cas, je vous préviens, quand je serai vedette de cinéma, je ne me tiendrai pas avec de simples figurants. Alors perdez pas votre temps, puis mangez donc à votre faim. Vous venez de me couper l'appétit, Berthe. Madeleine! Allez, Madeleine!
Ah, elle n'est pas ici, elle. Moi, ça... Oh, oh Marie-Madeleine, mais tu viens aller patiner? Oui, avec les enfants. Allez donc, ta mère, t'as jamais chaussé de patin de ta vie. Oh, je sais bien. Mais qu'est-ce qu'une femme ferait pas pour maigrir? Oh, mais je suis morte de fatigue, moi. Tu vas avoir une faim lourde. Oh, si j'ai faim. Oh, t'es allé faire le marché. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac-là? Oh, ben là, j'ai acheté du bon pain chaud, ouais. Du spaghetti. J'ai acheté des tartes au sucre à crème. Tes desserts préférés. Oh, j'ai acheté du bon chocolat aussi. Mais ça, faut rien. T'as acheté juste des choses engraissantes. Il faut, il faut que je gagne du livre, moi, peut-être. Oh, oui, t'as fait ce marché-là en égoïste. T'as pas pensé à moi, ta femme qui doit perdre du poids. Arrête donc, je veux pas que tu maigresses. Comment veux-tu, je t'aime tel que t'es là. Oh, ce serait pas plutôt parce que tu veux plus coucher dans le salon. Hein? Ben, moi, je change pas d'idée, Saint-Forien. Puis je te défends de manger devant moi des choses engraissantes. Ah non, ah non, hein? Je vois pas que tu vas me demander d'aller manger dans le salon, en plus. Ben tiens, prends ce sac-là, va manger chez Mme Sylvain. OK, je vais y aller, c'est ça que tu veux, je vais y aller. Mais, est-ce que je reste coupé là aussi? Mais exagère pas, Saint-Forien. C'est toi qui exagères, Marie-Madeleine. J'ai assez faim, moi. Je mangerais mes souliers, je mangerais des cordes de poche, je mangerais n'importe quoi. Je suis allé de manger des pamplemousses. C'est pas rien. Non, mais tu viens, oui. Qu'est-ce que tu fais là? En train de manger votre spaghetti. Oh mon Dieu, mon spaghetti, je sais qu'il est je bon. Je vais manger votre tarte, mon Dieu. Ah, ma bonne tarte. Malheureusement, je peux pas manger ni spaghetti ni tarte. Mais comment ça se fait, ça? J'avais dit à Marianne. Où est-ce qu'elle est, Marie-Ange, là? Non. Ah ben là, par exemple. Marie-Ange, oui. Tout ce que vous avez à faire, là. Hé, hey, Madame Sylvain, vous m'avez dit de ne pas préparer le repas. Alors, je fais des exercices pour perdre du poids. Marie-Ange, vous avez dit de sortir tous les mets engraissants du réfrigérateur, oui. De les donner à Saint-Forien pour qu'il les apporte chez lui, et non pas pour qu'il les mange ici à notre nez pour nous donner l'appétit. Eh oui, Madame Sylvain, c'est ce que je lui ai dit de faire. Mais seulement sa femme ne veut pas qu'il mange des mets engraissants devant elle. Alors, en plus de manger... Vous, mais en graissant, ils mangent les siens sur votre table de saladier. Oh, puis moi, je dévore de ce temps-là, Marianne! Pas autant que moi, Madame Sylvain. Oh. Je vous en veux, belle-mère. Vous auriez pu prendre un taxi pour revenir du restaurant. Une bonne marche de 100 000, c'est excellent pour la santé. Non, égoïste! Je soupçonne d'avoir fait ça dans le but de perdre du poids pour m'empêcher d'en prendre. Mais ça ne fait rien. Je veux s'acheter des sandwichs en chemin. Des sandwichs en graissant. Tu n'as pas gagné plusieurs livres ce soir, mon nom n'est pas belle-mère. Oh, c'est pas rien! Entrez, mon vieux d'espérance, entrez! Si jamais vous voulez engraisser, j'ai tout ce qu'il faut. Spaghetti, ravioli, des poteries, des tartes. Sauvez-vous le chocolat, Sylvain? Moi, Gassant, tu sais que j'ai pas le droit d'en manger. Oh, 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 moi, j'ai le droit, j'ai le droit, moi. Mmh. Mmh. Mes belles tartes, mon spaghetti, les belles pâtisseries qui sont là devant moi. C'est pour rien, tu vas tout m'enlever ça, apporte-le où tu voudras, faisant ce que tu veux, mais ôte ça de devant moi. Over my dead body, Madame Sylvain. En tant qu'associée, tous ces mets-là ne sortiront de la salle à manger que vous pourrez rentrer dans mon estomac. Et dans celui de Saint-Forien, je mange avec vous, Saint-Forien. Vous sortez de table, Berthe. J'y retourne. C'est de votre faute aussi. Avec votre marque de 5000, vous avez aiguisé mon appétit. Vous avez mangé des sandwichs, Berthe, mais... Pensez-vous quand j'y vais, je peux me contenter de sandwich? Passez-moi dans cette tarte-là. Oh, eh bien, moi, je démissionne. Oh, ben moi aussi, je m'en vais. Bon. Je peux voir ça, c'est pas possible. Eh bien, pardon. Ah, quelle belle façon, mon frère. T'es content, hein, parce que t'as maigri. Ben oui, mais tu il maigrit de partout, mais regarde mon chapeau. J'arrête de le perdre, là. J'ai pensé qu'on va l'avoir, le fameux rôle là, des deux niaiseux à 125 livres dans le film de Moineau. Là. On devrait l'avoir parce que moi, en moins de 10 jours, j'ai engraissé 10 livres quand j'ai de la misère à boutonner mon veston. Ah, oui. Ah. Puis que non, ta femme puis Mme Sylvain, là, penses-tu qu'elles vont finir par le perdre, le fameux 10 livres? Si elles l'ont pas perdu, ils sont sur le point de le perdre. Ouais. Oh, devrait voir la l'œuvre. Ouais. Ma femme a fait du jogging, c'était épouvantable, une chance qu'elle n'est pas enceinte. Madame Sylvain, elle, a pompe de l'huile en pédalant du mieux qu'elle peut sur une bicyclette dans son sous-sol. Alors que Marianne, pour maigrir, je jure qu'elle se fait aller la carcasse avec une massageuse à courroie, elle en avait bien coup. Puis quand le sous-sol est libre, c'est notre directeur de funérailles qui fait salver du corps avec des haltères. Oh, puis il ne force pas rien gruner, vraiment.
Puis Mademoiselle L'Espérance, depuis qu'elle a décidé d'engraisser, elle mange pas, elle dévore tout ce qui tombe sa main. Mais toi, Ephraim, comment t'as réussi là, à perdre 15 livres? Ben oui, mais j'arrête pas de pelleter tous les perrons du voisinage, puis je transporte l'évidence de tout le monde dans le quartier. Pas pour ça, j'ai été obligé de suivre un régime sévère. Pour maigrir? Oui, oui. Un régime sévère? Ben oui. Mais tu m'en as pas parlé? Quoi? T'en connais un régime, moi, pour maigrir? Non. T'as le droit de manger n'importe quoi? Oui. Seulement, t'as pas le droit d'avaler rien. Et il a suivi un régime. La première semaine, il a perdu 5 livres. Oui. Deuxième semaine, il a perdu 15 livres. La troisième semaine, il a perdu ses culottes. Comme ça, Monsieur Simon Moineau voudrait nous rencontrer. Oui, il est dans la salle à manger, il est en train de prendre un café. Regardez, Madame Sylvain, j'ai perdu 10 livres en très peu de temps. Oh. Je pèse seulement 160 maintenant. Ça vous va très bien, Marie-Madeleine. Oh, je suis assez contente. Oui. Ben, quand maman me disait que j'étais aussi grosse que vous, c'est bien simple, ça me révoltait. Voyons, je suis plus mince que vous, je l'ai toujours été. Moi, j'ai eu seulement 5 livres à perdre pour arriver à 160. Ah, oh, vous pesez seulement 160? Seulement, là. Tenir, regardez, le marron, comment est-ce qu'elle est grande, c'est une dégueulasse, parce que vous allez mettre. Oh, Mademoiselle L'Espérance! Bien oui, bonjour Marie-Madeleine, comment trouvez-vous ma nouvelle taille? Mademoiselle L'Espérance, si vous continuez à engraisser, vous aurez bientôt la taille de Madame Sylvain. Ben, suivez-moi pas, vous, là! Pas seulement par un délit, Marie-Madeleine, voyons. Dites donc, venez, Marie-Madeleine. Ah, comment ça va, mon frère? Salut, le gros! Ah, le gros! Oui. Ça va, frère, qu'on peut tous les deux 125 livres. Non, il ne veut pas, le gros. Venez m'aider à descendre! C'est ça, là, oui. Pour maigrir, je me suis abstenu de manger pendant 2 jours. Ah! Aïe, aïe! Vous avez maigri, vous, là? Il a salé un peu, là! Il a salé! J'avoue que je vous supporte, là. D'après ce que je peux voir, vous n'avez pas maigri tant que ça. Je vais pas tellement s'inférieur. À force de faire des haltères, j'ai engraissé des poignets, des biceps, des chevilles et des mollets. Les oreilles. Les oreilles. Je tiens à vous féliciter. Oh. Ouais, vraiment, d'après ce que vous me dites, là, vous avez atteint votre but. Oui. Soit en engraissant ou en maigrissant. Oui. Non, Simon, as-tu apporté ta balance? Non, absolument pas. Méfiez à votre parole, parce que ce que je veux vous dire, ça vous fera peut-être pas plaisir. Oh, quoi? On a eu une assemblée de production hier, et puis on a changé certains petits détails dans le scénario. Vous avez tous des rôles secondaires. Madame Lapelle puis Madame Sylvain devront retourner à leur poids de 170. Vous ne dites pas, vous! Il va falloir que je réengraisse! Comment, là? Oubliez ça. Mademoiselle L'Espérance et Symphorien devront peser 115 livres. Notre ancien pot? Ben oui, c'est ce qu'on pesait avant. Mademoiselle Boitler, 130 livres. Comme avant? En un mot, il nous faut pour notre film 2 femmes de 170 livres, une de 115 livres, une autre de 130 livres, puis un niaiseux de 115, puis un autre de 140. Un niaiseux de 115, 140, c'est 1200. Oui, monsieur, t'as vu? Bon, si vous voulez participer à notre film, je vous revois dans une semaine. Même journée, même heure.
dire en tout cas qu'on a fait des miracles, parce que pendant une semaine seulement, on a tous repris le pile. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait, Simon Moineau, donc? Il va être ici à la même heure, la même journée. Qu'est-ce qu'il fait? Et des nouvelles pour vous autres? Oh oui, comment ça? Avez-vous hâte de savoir? Oui, oui. Seulement, il y a des nouvelles, des fois, qu'ils ne sont pas très bonnes, mais il y en a d'autres qui sont bonnes. Bien, voilà, Sylvain, pouvez-vous lire ça? Oh! Ben ça, c'est épouvantable! Qu'est-ce qui se passe? Il est parmi! Il est parmi! En tout cas, il porte son nom, lui, hein? C'est un joli moineau, ça. Mais quoi donc, Madame Sylvain? Écoutez, je ne peux pas vous lire tout ce qui est écrit dans l'article, mais je peux simplement vous dire que de films, il n'y en aura pas. C'était contremandé indéfiniment. Mais pourquoi, Madame Sylvain? Pourquoi? Quelle importance? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, il n'y en aura pas de films. Et alors, ça veut dire ça? Qu'on a tous suivi les diables pour rien. Maigrir, engraisser, Écoutez-moi. Là, c'est pas un problème, parce que je connais un gars, moi, qui a un bon régime pour faire maigrir. Oh non, non, non! Vous pouvez manger ce que vous voulez. Ah oui? Mais oui, mais seulement, vous n'avez pas le droit d'avaler. Mais le gars, il a essayé, lui. Il y a une bonne histoire à vous raconter. Ah, ben, les histoires, Sur les régimes, on va avoir le sens de l'humour. Le gars, il a essayé son régime. La première semaine, il a perdu 5 livres. Ouais. La deuxième semaine, il a perdu 10 livres. La troisième semaine, il a mangé ses culottes, mais il n'a pas pu digérer. C'est facile.